Non mais j'hallucine, Fredo Lalouse. Mais qu'est-ce que tu fais là, couille-molle? Georges, une bière pour mon gamin. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Bah quoi? C'est pas vrai que t'es mon gamin? T'as qu'à dire que t'as honte de moi. Alors, dis-moi sur quoi tu peux sur ce moment. Pourquoi? Pour faire ton anti-intéressé? Ça te passe complètement au-dessus de la tête ce que je fais. C'est bien désagréable aujourd'hui. Tu te trompes? J'aime bien quand tu me parles de ce que tu fais. La place de directeur général se libère. C'est bien ça. Tu vas postuler? C'est fait. Mais c'est pas moi qui vais avoir le poste. Ils l'ont réservé à ce connard de Grégoire Costa. La dernière fois, quand tu voulais la place de responsable des ventes, tu disais ça déjà. Et c'est toi qui as eu la place. J'ai surpris une conversation. Ils ont prévu de nommer cet abruti. Ils le trouvent plus compétent que moi. Tu parles! Il vaut rien, ce mec! Pourquoi ils le prennent alors? Mais parce que le type, il sait trop y faire avec les patrons. Par devant, l'employé idéal, et par derrière, un vrai connard! Mais la dernière fois, tu... La dernière fois, le mec, il est parti du jour au lendemain en Australie. Ça m'étonnerait qu'un coup de bol pareil se représente. Bon, c'est pas la fin du monde, ça veut pas dire que tu vaux rien. C'est sûr que pour un type comme toi, c'est facile de dire ça. Tu veux dire quoi, là? Je veux dire que tu peux pas comprendre, vu que tu t'es contenté toute ta vie d'être un loser de RMiste. Attention, là, gamin, tu passes les bornes. Ah, et puis arrête avec tes semblants d'autorité de mec qu'il faut respecter. Tu t'es toujours complu dans la médiocrité. Des fois, j'ai honte d'être ton fils. Tu te rends compte comme il m'a fallu ramer pour ne pas finir comme toi? Alors arrête. Puis d'ailleurs, tiens, là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Puis de toute façon, je te dois rien. Écoute-moi bien, ce petit con, tu m'en dois des choses. Ah, et qu'est-ce que je te dois? Eh ben, la vie déjà. T'es pas né par l'opération du Saint-Esprit. Ah ouais, super. Ouais. Rejoins-moi demain soir à 9h aux 3 rue de la Prévôté, tu verras. Allez, gamin. Fais ce que je t'ai dit. Tu sonnes à cette porte, c'est tout ce que je te demande. Et si après ça, tu veux plus me voir, je te foutrai à peine. Georges, combien je te dois? Bah, non mais j'hallucine, Fredo Lalouse. Mais qu'est-ce que tu fais là, couille-molle? Tu crois que je donne des cours à domicile? Parce que Non mais là, je t'explique, c'est super simple. Règle numéro 1, t'évites de un blaireau. Règle numéro 2, t'évites de traîner avec des blaireaux. Du coup là, tu prends les deux noyaux de cerise qui te servent de burne, et puis tu... Mais reste pas planté là, rentre. Tiens, mets ça. Ferme la porte maintenant. Mais qu'est-ce que t'as fait, putain? Là, je vais éliminer ton problème. Mais t'es cinglé, on va se faire choper. Non. Tu vas te faire choper. Moi, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait du tout. Personne ne me croira, putain. Je suis foutu. Bon, ouais. À cause de toi. Tu vas te calmer, ouais. Personne ne va se faire choper. Tu peux me faire confiance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de tuer quelqu'un, t'es complètement à l'ouest. Mais c'est tout toi, ça. T'es encore en train de me dévaloriser alors que tu connais rien. Ah, parce que toi, tu t'y connais en assassinat, peut-être. Tu t'es jamais demandé comment tu disais, déjà? Ah ouais, un loser de RMiste avait pu te payer des études rallongées de quelques redoublements. T'es pas sérieux, là? Il se trouve que je suis un tueur. Et pas n'importe quel tueur. Un professionnel. Et je suis pas du genre à me branler. Avoue que c'était pas si mal tes années de fac à rallonge. Oh putain. Tu te plains beaucoup moins quand tes concurrents disparaissent. Quoi? Mais t'es pas croyable, toi. Un mec qui part en Australie sur un coup de tête à la veille d'une promotion de dingue, ça te pose pas question. Tu veux dire que tu l'as... Bien sûr que j'ai...
Tout comme ton ancien patron qui voulait te virer. Et ta maîtresse de CM2 qui te mettait des mauvaises notes. Comment tu peux faire ça? Eh bien, figure-toi que je gagne très bien ma vie. On passe des contrats assez souvent. Et je pense que le plus important, c'est ce qui te permet à toi d'être meilleur. Et maintenant, gamin, profite bien de ton nouveau poste. Il ne fait plus jamais chier avec tes petites leçons de petit bourgeois parvenu jusqu'à réussir sa vie. Allez, mon poulet, sauve-toi. J'ai encore du boulot aussi. À bientôt. Tu seras bientôt directeur. Petit con. Say it, but we'll soon forget.